Le turnover du personnel dans les réseaux de magasins est probablement l'indicateur le plus frustrant. J'ai connu la semaine dernière une DRH qui m'a dit notre taux de turnover est de 100%. Cela signifie que le personnel présent au 2 janvier aura complètement changé d'ici le 31 décembre. Dans ces conditions, comment penser à un développement durable? Comment penser à un développement individuel des personnes? Le turnover, le taux de rotation, est clairement un des indicateurs clés de succès d'un réseau qui va bien. De 0 à 10, quelle est votre capacité à fidéliser votre personnel? Et si vous mettiez plus de, quelles seraient ces innovations que ces prochains jours, ces prochaines semaines, vous pouvez prendre, quel que soit votre poste dans l'organisation, pour fidéliser davantage votre personnel? À cette question, des centaines de professionnels nous ont répondu trois choses. La première, c'est le onboarding, l'accueil. On n'a pas deux opportunités de faire une bonne première impression. Et franchement, dans de nombreux réseaux, l'accueil est absolument néfaste et défectueux. Beaucoup de réseaux, par contre, ont beaucoup progressé ces derniers mois sur le sujet, avec des carnets d'accueil, avec un processus individuel d'accompagnement, de formation des premiers jours. Le deuxième point, c'est la posture coach. Un style de management évidemment agressif, rude, brut, qui n'est basé que sur les chiffres. Sans l'intelligence émotionnelle du coaching, sans cette posture coach, évidemment, va favoriser des départs. Et enfin, le PDI, le plan de développement individuel. Est-ce qu'une personne qui rentre chez vous, quel que soit son âge, son poste, a finalement une perspective d'évolution qui soit accordée, qui soit écrite? Est-ce que ce développement, ces plans annuels ou biannuels, ou tous les 6 mois, sont effectivement écrits avec du sens, crus, compris, et sont un objet de motivation? Donc, 3 pistes qui ne sont pas absolues ni définitives pour augmenter le taux de rotation et de fidélisation de vos équipes.